Okay. I keep forgetting to give you your homework. So I'll just, yeah, remind you if we do a meditation tonight. My French voice hasn't woken up yet. À chaque fois, j'oublie de vous donner des devoirs. That my French voice hasn't woken up yet. Ma voix française n'est pas encore bien réveillée. So the homework was that you should try and remember tonight. I have to remind you. It's a really nice exercise to do is to, when before you go to sleep, you make a decision to see your dreams as dreams. In other words, while you're dreaming, to be aware that you are dreaming. Et donc, il faudra que je vous le rappelle ce soir, mais je vais déjà vous donner l'exercice. C'est un très bel exercice à faire. C'est avant d'aller vous coucher, vous prenez la décision de voir vos rêves comme étant, de reconnaître vos rêves comme étant des rêves. It's a good example of learning to see that, you know, life is like a dream, they say. Et donc, c'est un bon exemple pour vous entraîner à voir que la vie est comme un rêve. The dream is so real, isn't it? And then you wake up and you say, "Oh, it was only a dream." Parce que le rêve paraît tellement réel quand vous rêvez, et puis ensuite vous vous réveillez et vous vous dites, "Ah, mais c'est vrai, c'était simplement un rêve." It's good to see life like that. C'est bon de voir la vie comme ça. And the other thing was to practice, and this is important, to practice when you wake up to notice that you're still alive. Like I said yesterday, to notice. I mean, it's a big surprise to us because we have this assumption of permanence, so we're not surprised. We should be. We don't know how much morality is in our petrol tank, so we should be blown out that, my goodness, my petrol tank hasn't run out yet, I'm still alive. Amazing. Et il est également important de pratiquer de la manière suivante, de quand vous vous réveillez, de remarquer que vous êtes encore en vie et de vous en réjouir, parce que en général, on n'y prête aucune attention particulière, étant donné que on prend comme présupposé qu'on durera toujours. On imagine qu'on est permanent, mais en fait, on ne sait pas du tout combien de moralité il nous reste dans notre réservoir. Et donc, si ça se trouve, il n'en reste pas beaucoup et on pourrait tomber en panne rapidement. So let's notice now. I am still alive. Et donc faisons ça maintenant, remarquons, prenons, reconnaissons qu'on est encore en vie maintenant. So I must not waste however much of my life I have left. Et donc de ce fait, je ne dois pas gâcher ce qui me reste à vivre, quelle qu'en soit la durée. I mean, if we realize how hard we worked just to get this human life, it would blow our minds. Si on réalisait à quel point on a travaillé pour pouvoir être ici aujourd'hui, ça nous on serait oui, ça nous exploserait la tête. Don't you say that in French? No. What do you say like that? What's a similar thing? I don't know. Oui, on serait ébahi. I don't know. It is. Anyway, it's you not, get the idea. Well, vous comprenez okay. Ce que je veux dire. I mean, it's just really, it's like, it really is. It's like if you've got money in the bank, you know how hard you work for it. You wouldn't want to waste even one euro. L'argent que vous avez à la banque, vous savez très bien à quel point vous avez travaillé, quels efforts vous avez fournis pour pouvoir l'accumuler. Et donc, vous ne voulez pas en gâcher même un seul euro. We understand this. Ça, c'est clair pour nous. We value it. On lui accorde une valeur certaine. So let's value this human life. Et maintenant, donc, il s'agit d'accorder sa valeur à la vie humaine. The result of our hard work of morality. Qui est le résultat de notre dur labeur dans la moralité. Our parents did not give us this. Ça n'est pas quelque chose que nos parents nous ont donné. Well, they did. They played their role, you know. But we created the cause to go to this mother's womb. Évidemment, ils l'ont fait, ils ont joué leur rôle, mais c'est nous qui sommes rentrés dans le ventre de notre mère. So how are we not going to waste it? Et donc, maintenant, on ne va pas la gâcher. Et donc, maintenant, on va écouter ce que le Bouddha a à dire au sujet de la vie.
His view, his findings. Ses points, ses vues, ses trouvailles. About happiness, suffering. En ce qui concerne le bonheur, les souffrances. To see if we want to apply some of this in our own life. Et on va essayer de voir s'il y a quelque chose là-dedans que l'on peut appliquer dans notre propre vie. Because we're the boss. Parce que c'est we nous have le to make chef. The decision. C'est nous qui prenons les décisions. Buddha doesn't. C'est pas le Bouddha qui prend just, ses décisions. We're listening to his advice, that's all. Tout ce qu'on fait, c'est écouter ses conseils, c'est it's tout. Up to us to take it. C'est entre nos mains, de, yeah. C'est à nous de le mettre en pratique ou, yeah. ou pas. So we're going to listen to Buddha's teachings. Donc on va écouter les enseignements du Bouddha, réfléchir à leur signification. See if there's some useful tools there. Essayer de vérifier, voir s'il y a des outils utiles là-dedans to help us develop our amazing potential. Qui peuvent nous aider dans nos vies à développer notre potentiel incroyable. Incroyable. Because why? Pourquoi? Pourquoi? So we can finally be of use to others. Afin d'être utile finalement à tous les autres. Right now, because of ego grasping, we feel separate from others. Mais maintenant, à cause de la saisie du soi, on a l'impression d'être séparé des autres. This is one of the big lies as a result of this ego grasping, that we're separate. C'est l'un des gros mensonges qui sont fournis par la saisie du soi. So the more we develop our qualities, plus on développe nos qualités, the more we get rid of our rubbish. Plus on se débarrasse de nos détritus, the more connected we'll feel with others. Plus on se sent relié aux autres. Therefore, their suffering will be our suffering. Donc leur souffrance deviendra notre souffrance. And we'll want to help. And because we know how to change our own suffering. Et parce que l'on sait comment changer notre propre we souffrance. We know what causes our own suffering. On connaît les causes de notre souffrance. We'll know what causes theirs. Donc on connaît les causes des leurs. Because we're all in the same boat. Parce qu'on est tous dans le même bateau. So, for this reason, we listen to these teachings. Donc c'est pour ces raisons que l'on va écouter ces enseignements. Sangye chedang tsokye chognam la jancho badu dagni kyabsu chi dagi chenyen gipe sonam ki drola penchir sangye drupa shog. Sangye chedang tsokye chognam la jancho badu dagni kyabsu chi dagi chenyen gipe sonam ki drola penchir sangye drupa shog. Sangye chadang tsokye chognam la jancho badu dagni kyabsu chi dagi chenyen gipe sonam ki drola penchir sangye drupa shog. Okay. So all we've talked about so far, let's put it in the context of another packaging. This packaging, well, we've been referring to it, but let's make it be more clear about it. This course of study, this Lam Rim. Donc tout ce qu'on a évoqué précédemment, on va le présenter dans le contexte d'un autre paquet qu'on a évoqué, que j'ai mentionné. Mais on va aller plus avant là, dans sa description. Donc, dans le cadre du Lam Rim, des étapes de la voie, qui est donc ce programme d'études. It's really helpful to understand all of this stuff in a nice, orderly way. C'est vraiment, ça nous aide vraiment de comprendre tous ces trucs dans un ordre progressif. Orderly, according to one's psychological capacity. To practice it, to internalize it. D'une façon qui est organisée en fonction de notre capacité mentale. To practice it or internalize it. You said that? Non. Afin de pouvoir le pratiquer, l'intérioriser. Yeah, because practice means internalize. Parce que ce que ça veut dire pratiquer, c'est intérioriser. It's just how we learn anything. It's not surprising. C'est de cette façon. C'est la même chose pour toutes les choses qu'on apprend. Yeah, anything we've learned. Tout ce qu'on n'a jamais appris. Not knowing anything about mathematics. Au début, on ne connaissait rien des mathématiques. And we internalized those thoughts. Mathematics is thoughts. We internalized them. Et ensuite, on a intériorisé ces pensées parce que finalement, les maths, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pensées. Yeah. Music, the same. Pareil pour la musique. Cooking.
pour faire la cuisine. You think anything you've learned? Tout ce qu'on n'a jamais appris. So don't make this different. It's not different. C'est exactement pareil. Ne pensez pas que ceci ici c'est différent. We think it's holy and it's all about visions and mystical and beyond thought and no one understands it and you kind of cross your fingers and close your legs or do something and hope for the best, you know, something will come. Wow, I had a spiritual experience. I mean, we are so absurd when we talk about spiritual. En fait, on a tendance à penser que ça c'est différent parce qu'on rend cet exercice sacré, sain, différent. On se met en tailleur, on met les on croise nos doigts d'une certaine façon et on ferme les yeux. Et on imagine que peut-être on va avoir des visions. I had a spiritual experience. Et on se dit, oh, génial, j'ai eu cette expérience spirituelle. It's totally embarrassingly ridiculous. Et ça, c'est complètement absurde et c'est vraiment tellement ridicule que ça en est honteux. It's like thinking that how you practice, how you learn piano is you sort of, you look at a picture of Mozart and you close your eyes and I'm going to meditate on Mozart and suddenly Mozart will reveal to you and then you suddenly play piano. I mean, that's how we think about spiritual. It's completely hysterical. It's like a joke. It's embarrassing. It's infantile. C'est comme si... C'est comme si on voulait apprendre à jouer du piano et qu'on s'asseyait devant notre piano, devant une peinture ou une photo de Mozart et qu'on ferme les yeux, qu'on croise les doigts d'une certaine manière et qu'on attende quelque chose de Mozart qui se révèle à nous et qui ferait que quand on ouvre les yeux, tout d'un coup, on serait... Kind of, wow, I had a musical experience. On serait super fort en piano et on se dirait, ah, oh, c'est génial, j'ai eu une expérience musicale. Mais ça, c'est complètement hystérique, c'est une blague, c'est une attitude vraiment puérile. Spiritual experience is working on your mind. Ce que ça veut dire, une expérience spirituelle, ça veut dire travailler sur son esprit. Every time you control your anger, that's a spiritual experience. À chaque fois que vous maîtrisez votre colère, ça, c'est une expérience spirituelle. I mean, having a sudden vision of a past life, who cares? Avoir une vision spontanée d'une vie antérieure, ça ne sert à rien. Tout le monde s'en fout. We've all had past lives. What's special? On a tous eu des vies antérieures. Il n'y a rien de spécial à ça. The way we understand spiritual experiences is a bit like, you know, you've never played the piano, but you're a bit musical. You've got some potential. You sit at the piano, and then you just wiggle around, and suddenly a very nice sound comes out. And you think, wow, you know, I played this special piece. It was so intuitive. Et donc, c'est comme si vous connaissez pas, vous savez pas jouer au piano, mais vous avez une capacité musicale, un potentiel musical, et donc vous vous mettez au piano, vous laissez vos doigts un peu aller sur les touches, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose de plus ou moins mélodieux qui sort de là, et vous vous dites, ah, oh, c'est génial, j'ai réussi à faire ce and morceau it might have been, très spécial. It might have been a very nice sound that you played on the piano, it might be, and I'd say to you, please, oh, that's lovely, play it again. Et donc, c'est peut-être un fait que c'est peut-être vrai que ce son était plutôt mélodieux ce que vous avez joué. Et si moi je vous dis, rejouez-moi-le s'il vous plaît. You can't. Vous ne pouvez pas. Because you don't know how to do it. It was sort of like accidental. Parce que vous ne savez pas comment le refaire puisque c'était accidentel en fait. So we sit down to meditate one day, let's donc. Say, watch our breath or think about compassion or something. Et donc si un jour on s'assied pour méditer, disons regarder notre respiration ou méditer sur la compassion. Then you have a special experience and tears come. Et vous avez une expérience particulière et des larmes jaillissent de vos yeux. That's wonderful. But please c'est merveilleux. Do it every day. You can't because you haven't practiced it. It just popped up, some little thing happened quickly, but you haven't made it stable. You haven't practiced it. You haven't perfected it. Et donc, si je vous dis, génial, s'il vous plaît, faites ça tous les jours, vous ne pouvez pas. Parce que vous ne l'avez pas encore pratiqué, parce que vous ne l'avez pas mené jusqu'à sa perfection. So what are you going to do with the music? You learn your theory, you start playing your arpeggios, you start playing your scales, you learn it, you struggle until eventually you've perfected it. Then you can play it every time, because now it's your genuine experience. Et donc...
C'est pareil pour la musique, vous apprenez le solfège, vous faites vos gammes et vous vous entraînez jusqu'à la perfection. Et ensuite, quand vous avez atteint ce niveau, vous avez une expérience authentique de cette musique. The same with your practice, spiritual practice. Ah, donc c'est la même chose pour la pratique spirituelle. So one of our biggest mistakes is thinking that when we sit down to meditate, we have to sort of force a special experience to come, you know. Et donc l'une de nos erreurs, c'est qu'on pense qu'il faut qu'on s'assoie là et qu'on force cette expérience spéciale à survenir. It's not like that. Mais ça se passe pas comme ça. It's just like playing piano. C'est exactement comme jouer du piano. You know, you have your whole course of study, the Lamrim. Vous avez donc votre programme d'études qu'on appelle le Lamrim. You start at grade one, junior school. Vous commencez par l'école maternelle. You listen to Buddha's views at that level. Vous écoutez, vous étudiez les vues bouddhistes qui correspondent à ce niveau-là. So, junior school grade one, Buddha gets us to think about impermanence. Et donc, au premier niveau de l'école maternelle, le Bouddha nous dit qu'il faut réfléchir à l'impermanence. A teacher who wrote this little text called Lamp for the Path. Et Atisha, qui écrit ce petit texte qu'on appelle la lampe de la voie, he structured a little meditation about impermanence. In relation, in particular, to gross impermanence, and in particular to one's own death. Il a donc organisé, structuré une petite méditation sur l'impermanence, et particulièrement sur l'impermanence grossière, et encore plus particulièrement sur une méditation sur notre propre mort. So he's laid out the thinking. Et donc il a en fait mis en place la réflexion. One familiarizes oneself with that thinking, just like familiarizing yourself with the piece of piano. Et donc, il s'agit de se familiariser avec cette façon de penser. De la même façon qu'on se familiarise avec un morceau de piano. In the very first time you think it, like the very first time you try to play the scale, nothing happens, it's just boring. Donc c'est comme la première fois qu'on essaye de faire ses gammes, il ne se passe rien, c'est vraiment très ennuyeux. But you keep practicing it, don't you? Mais on continue à pratiquer, you non? You keep doing it every day. On continue à le faire tous les jours. You keep practicing. Tous les jours, on s'entraîne. You keep playing it. You keep playing it. Tous les jours, on joue la même chose. So every day you keep thinking this way. You remind yourself in many times as possible in your meditation formally and then in your daily life. You take the points that a teacher lays out and you bring those into your mind. You bring them into your mind. You bring them into your mind. You think them. You familiarize. And guess what comes? Eventually, that becomes the status quo. Your view of impermanence has now completely taken over from the view of permanence. And now this is how you see life. Et donc c'est exactement la même chose avec la méditation. Vous prenez cette façon de penser dans votre méditation formelle et aussi dans vos actions quotidiennes hors de méditation. Vous prenez chaque point que vous a enseigné le lama et vous les mettez dans votre esprit. Et vous les mettez dans votre esprit encore et encore. Et vous vous familiarisez avec chacun de ces points encore et encore, jusqu'à ce que l'idée de permanence prenne le dessus et domine par rapport à l'idée de permanence qui était déjà dans votre esprit. Et jusqu'à ce que donc l'idée d'impermanence soit la plus forte. So with music, what you're familiarizing yourself with is those various theories, and you're using your hands on the piano to get some sound, and eventually you familiarize yourself with it to the point where it comes naturally. Et donc pareil pour la musique, vous apprenez le solfège et vous habituez vos mains sur les touches pour obtenir tel et tel son, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de naturel. The status quo before you started playing piano was non-piano playing. You were a non-piano player. You were ignorant of piano playing. Et donc, votre état avant de vous mettre à jouer du piano, c'était votre état, c'était d'être une personne qui ne jouait pas du piano. The status quo is grasping at permanence, believing everything is permanent, believing I am permanent. Et donc, dans notre contexte ici, votre état de départ, c'est de croire à la permanence, de saisir la permanence. It's instinctive right now. Pour l'instant, c'est instinctif. In other words, we've practiced that to perfection. Donc, en d'autres termes, vous avez pratiqué cela jusqu'à le parachever. By reinforcing permanent thinking, life after life after life, we now have the absolute realization of permanence, a lie.
Et donc, parce que vous l'avez pratiqué, parce que vous y êtes entraîné vie après vie après vie, la saisie de la permanence, elle est spontanée, naturelle en vous. Mais ça, c'est un mensonge. So Buddha comes along and points out to us that how you're thinking and what you intuitively believe, in fact, is inaccurate. Et donc le Bouddha vient et vous montre que votre façon de penser, en fait, elle est incorrecte. So okay, this is where the analogy of music falls down. Et donc, bon, c'est à ce moment-là que la comparaison avec la musique ne tient plus debout. Because it's like, you can play music if you want to. Parce que la musique, si vous voulez, vous pouvez, si vous voulez la jouer, vous pouvez jouer de la musique. So here, this added component about how our mind is now familiar with lies. Mais maintenant, donc dans notre contexte, il y a une composante en plus qui est que on est familier avec les mensonges. There's a disconnect between how we see the world and how it is. Il y a une déconnexion entre la façon dont on voit le monde et la façon dont il est vraiment. This is serious. Ça, c'est sérieux. Because it's why we suffer. Hear the words. Parce que c'est pour cela même que l'on souffre. Écoutez les mots que je dis. This is Buddha's point. C'est ça que dit le Bouddha. We suffer because there's a disconnect between how the world is and how we think the world is. That is why we suffer. Please hear the words. It's real. On souffre parce que il y a une déconnexion, il y a un décalage entre la façon dont on voit le monde et la façon dont il est réellement. Et c'est exact. Et c'est pour cela que l'on souffre. Et il faut vraiment que vous entendiez le poids de chaque mot ici. C'est la raison même pour laquelle on souffre. Look, if you don't mind suffering, you don't need to bother thinking about impermanence. Si ça vous ennuie pas de souffrir, alors c'est même pas vous êtes pas obligé de vous embêter à penser à l'impermanence. It's up to us. Ça dépend de vous. So if it makes sense what we hear, then we give Buddha's view a go, isn't it? Donc, si ce qu'on entend, ça semble sensé, alors on peut l'essayer. So now the instinct, the practice, the instinctive realization we have at the moment is of lies. Donc, notre instinct, la réalisation que l'on a d'instinct, c'est tout simplement des mensonges. And because we understand that instinctive experience comes down to being at its bare bones thoughts. Et puisque l'on comprend que viewpoints, opinions. Puisque l'on comprend que cette croyance en ces mensonges instinctifs est en fait dans la au niveau. En fait, son essence, ce sont des pensées, so des opinions. We can feel the intuitive experience of seeing everything is permanent. Donc, on peut ressentir l'expérience intuitive que tout est that everything is permanent. Que tout est permanent. So we have to then put words to that. Try and get the view clear. What does it mean, permanent? Mais il faut qu'on arrive à trouver une formulation claire pour cela. Qu'est-ce que ça veut dire cette vue de la permanence? And then we open page one of junior school of the Lam Rim. Et donc ensuite on ouvre la première page de notre cahier d'études d'école maternelle. And we look at the presentation of how things are impermanent, which is the opposite. Et donc on regarde la présentation de comment les choses, donc la présentation de l'impermanence des choses, so qui est donc l'opposé. Thinking those thoughts. Et donc on s'entraîne à ces pensées. And you keep practicing thinking those thoughts. Et on s'entraîne encore et encore à pratiquer, cultiver ces pensées. Where you're being more focused. On fait ça dans notre méditation formelle où on est un peu plus concentré. You apply it in your daily life whenever you remember. On l'applique dans notre vie quotidienne à chaque fois qu'on arrive à s'en souvenir. You have replaced the instinctive grasping at permanence with the instinctive view of the truth that in reality everything is impermanent. Jusqu'à ce qu'on arrive à remplacer naturellement la saisie de la permanence, remplacée par cette vue de la vérité qui est la vue de l'impermanence. Buddha says this is anyway how things are. Le Bouddha dit, de toute façon, c'est comme ça que les choses sont. And slowly we bring our minds into
the way we say it in English, into synchronization with that. Et donc, our mind and reality now are the same, and that is what we're trying to accomplish. Et donc, because petit à... that is what brings happiness. That is what cuts suffering. Et donc, petit à petit, on arrive à, on s'exerce jusqu'à ce que notre esprit parvienne à être, arrive à être synchronisé ou en harmonie avec la réalité. C'est-à-dire, oui, en harmonie avec la réalité. Parce que c'est ça qui nous permet d'être heureux. This is the Buddha's approach. Ça, c'est la méthode bouddhiste, so la you méthode don't sit du Bouddha. Down and do your meditation on death and impermanence to get some kind of vision or force a special experience. On ne s'assied pas sur son coussin pour méditer sur sa propre mort afin d'avoir sur la mort afin d'avoir une espèce de vision, une expérience puissante. And then feel that your meditation was a failure because it was sort of cold and boring. Et puis d'être très déçu par sa méditation, penser qu'on a échoué parce qu'on n'a rien ressenti, parce qu'on a eu une sensation de froideur. When you first play the piano, it's very cold and boring. In fact, it's really frustrating. It's not pleasure at all. D'ailleurs, au début, quand vous commencez à jouer du piano, c'est très froid et ennuyeux. On n'a aucune sensation de plaisir. But every time you do it, you're practicing. Mais à chaque fois qu'on s'y met, on le pratique. You're developing the habit. On développe une habitude. Until eventually it becomes spontaneous. Jusqu'à ce que cette habitude devienne spontanée. Then the feelings come. Et c'est ensuite que les sensations surviennent. Same with death and impermanence. Pareil avec la mort et l'impermanence. And all the other things in this course of study that leads to enlightenment. Et toutes les autres choses qui sont expliquées dans ce programme d'études qui mène à l'éveil. Because the thing we're trying to transform here is our mind, is our thoughts, is our views, opinions, viewpoints of the world. Parce que ce qu'on essaie de transformer ici, c'est notre esprit, nos pensées, nos opinions. So the experiential result of this is the point. Donc le but, c'est le résultat de l'expérience. Your happiness, your joy, your contentment. Votre bonheur, votre joie, votre satisfaction. And your delight in others. Et votre réjouissance à voir les autres. And your wish to benefit them. Et votre souhait de leur être bénéfique. You see their suffering. Parce qu'on voit leur souffrance. Which is just like yours. Qui est exactement comme le nôtre. And now you have the methods. Et maintenant, vous êtes doté des méthodes. Sort of like that. Donc c'est un peu comme ça. Okay. So this lambrim, let's sort of look at it. Donc maintenant on va regarder this package, this course of study. Le programme d'études du lambrim, ce paquet, disons. The first step, the first thing that Atisha, he's the one who put together this little text, that the lambrim commentaries, especially by Tsongkhapa, the 14th century lama, He really runs with this particular approach. Donc la première étape est la suivante. Atisha, donc qui, comme on l'a dit précédemment, a fait cette compilation sous forme de ce petit texte des étapes de la voie, le lambrim, et qui a ensuite été largement commenté, mais notamment par Lama Tsongkhapa, qui est un maître, qui est un lama du XIVe siècle. Donc Lama Tsongkhapa lui-même suit vraiment cette façon de faire. I'm wondering if you've got those notes yet. You haven't. It's okay. It's coming because there's a summary of this whole lambrim coming in the notes you're going to get. Vous allez recevoir. On va vous distribuer des notes avec un sommaire du lambrim. Mm. Donc je regardais si vous l'aviez okay. ou pas. So what Atisha first gets us to do is think about impermanence, like I said. Donc la première chose qu'Atisha veut nous faire faire, c'est de penser à l'impermanence. There's extensive teachings in Buddhism on impermanence. Des enseignements bouddhistes sur l'impermanence sont vraiment très vastes. And in fact, the meditation on subtle impermanence is the main concern of the Theravadan practitioners in Burma and places like that. Et d'ailleurs, la méditation sur l'impermanence subtile est vraiment le point principal à méditer que les pratiquants méditent dans les traditions Theravada, particulièrement au Burma et autres, en Birmanie et autres. So,
But what our teacher does, he's got an agenda here. Et encore, il a les choses bien prévues ici. He presents all the teachings, but he presents them in such a way that psychologically it energizes us to want to practice. Et donc en fait, il présente sa façon de présenter tous les enseignements, c'est une façon qui nous donne psychologiquement l'énergie, la dynamique pour qu'on ait envie de s'y lancer. So, you know, if you graduate from junior school, junior school, yeah, the last practice in junior school, the one where you is actually where you begin to practice, is where he then is where he presents karma. Donc quand vous finissez l'école maternelle ou primaire, c'est la dernière pratique que vous faites à ce niveau-là, c'est le karma. That's where you actually begin to practice, actually. C'est là qu'on commence vraiment à pratiquer, en fait. But the various things he wants us to think about before that, three things, and we're going to go through them, starting with death and impermanence. It's like as if that's what he really wants us to do is by thinking about these things, it prepares our mind to want to finally abide by the laws of karma, which is practice morality. En fait, et donc avant de présenter le karma, il présente trois points différents, dont la mort et l'impermanence. Et il présente ça pour préparer le terrain. Préparer notre esprit à en fait désirer s'adonner à la pratique du karma. Right. Abide by the laws of morality. Mm. Practice morality. Et donc de demeurer dans les lois de la moralité, de pratiquer right. la moralité. So in order to get us to want to do this, he starts with getting us to think about impermanence. Et donc pour que l'on ait envie de s'adonner à cette pratique, il nous parle de l'impermanence avant. But not impermanence in general. Pas l'impermanence en général. Specifically, one's death. Il nous parle de notre propre mort en particulier. So his agenda here is to give us a wake-up call. Et donc son intention ici, c'est de nous réveiller, de nous secouer. To energize us to think, my God, I've got no time to waste. I must practice. De nous donner de l'énergie pour qu'on se dise, mon Dieu, j'ai vraiment pas trop de temps ici. Il faut vraiment que je me mette à pratiquer. Because death could come at any time. Parce que la mort peut venir à n'importe quel moment. So thinking about death and death, it actually helps us get the realization of impermanence, which is crucial anyway, in general, about everything. Parce que la pensée à la mort, ça nous donne vraiment une idée de l'impermanence qui est, de toute façon, dans quelque domaine que ce soit, vraiment quelque chose de crucial. Yeah. So how does he present? How does Atisha get us to think about death and impermanence? Donc, comment Atisha présente-t-il la mort et l'impermanence? First point is death is definite. Donc le premier point, c'est que la mort est définitive. Second point is the time of death is not definite. Et, par contre, le moment de la mort est incertain. And the third point is at the time of death, what's important? Et le troisième point, c'est qu'est-ce qui compte vraiment au moment de la mort? So let's look at these. Donc on va regarder ça. So you know, in his text, he just presents it in the bare bones thoughts. Donc dans son texte, il présente ça comme des pensées nues. So as we get the skeleton of the thoughts, we say them initially just what he says, and it's kind of boring because we can't get much feeling. But as we keep getting more familiar with it, we bring our own experiences to it, and we start to link what he says with our experiences, which is how it builds up as a truth for us. Donc en fait, il présente ses pensées comme en fait le squelette de ses pensées. Il n'y a pas vraiment c'est pas très étoffé, et donc ça peut sembler un peu ennuyeux et sec au début, mais au fur et à mesure que l'on y pense et qu'on étoffe justement ses pensées avec notre propre expérience, on commence à avoir plus de ressenti. So his first point, death is definite. Donc pour commencer, le premier point, c'est que la mort est certaine. Well, we go, yeah, we know that, mate. Can you give us something more intelligent, please? Et donc on lui dit, ouais mec, ça on était déjà au courant, tu peux pas nous parler d'un truc un peu plus intelligent? He says, we might know it intellectually, but experientially we haven't got a clue. We et think donc, the exact opposite. Certainement, intellectuellement, on le sait déjà, mais en fait, au fond de nous, on n'a aucune idée de ça. So what we have to do is think about it. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on y réfléchisse. And that doesn't mean, say, just going, death is definite, death is definite, death is definite. Ça ne veut pas dire se répéter encore et encore, la mort est certaine, la mort est certaine, la mort est certaine. You know, you gotta sort of put some meat on the bones. Il faut étoffer un peu ce squelette, mettre de la viande autour de l'os. So, you know, the very first thing is, you'd think about your own experience and you'd start remembering who has died and the fact that anybody who comes into birth has to die. You think about these things and it builds up and becomes, every time you do it, it becomes more and more real because you're seeing the truth of it. The truth of it becomes evident to us.
Et donc, on essaye d'y mêler sa propre expérience. On peut, par exemple, se remémorer toutes les personnes qu'on a vues mourir, se remémorer que chaque chose, chaque personne, chaque être qui vient à naître doit forcément mourir. Et plus on réfléchit de cette façon, plus la chose prend de la réalité sous nos yeux et jusqu'à ce qu'on arrive à percevoir vraiment la réalité, la vérité de cette affirmation. Because right now, if somebody dies, especially if they're close to us, it's a shock to us. Parce que par exemple, si maintenant quelqu'un de notre entourage, particulièrement si quelqu'un qui nous est proche meurt, ça nous choque. It's a shock because emotionally we believe that not so much that the person won't die, it's that we don't want them to die. So we have this lie, well, they won't die. Donc parce que pourquoi on est surpris, pourquoi ça nous trouble tant, c'est parce que émotionnellement, on est persuadé, on croit que pas tant qu'ils ne mourront jamais, mais en fait, on ne veut pas qu'ils meurent. Et étant donné qu'on ne veut pas qu'ils meurent, on construit ce mensonge qu'ils ne mourront pas. But the logic of impermanence, which intellectually we do understand, is that if you come into birth, if something comes into life, an ant, a dog, a cup, you, we all know from experience. This is the point. We can see it intellectually. We know it's true. Eventually, it will cease. Et donc, intellectuellement, si on suit la logique de l'impermanence, et c'est quelque chose que l'on sait déjà, tout ce qui vient à naître, que ce soit une fourmi, un chien, une tasse ou nous, à un moment ou à un autre, forcément, il devra mourir ou cesser. Et ça, c'est quelque chose que l'on sait déjà intellectuellement. It's the easiest thing to prove. C'est l'une des choses les plus faciles à prouver. You know, we can see by every single person we know, every dog we know, every ant we know, it starts small and fresh and smooth and nice, and then gradually gets fat and wrinkly and old, and then disappears. We know. On sait ça au sujet de toutes les choses sur lesquelles on a posé nos yeux, que ce soit une fourmi, un chien, un être vivant. On sait qu'au début, ils sont tout frais et jolis et doux et mignons, et puis petit à petit, ils deviennent gros et vieux et plein de rides et puis au bout d'un moment il cesse. It's just the way things are. C'est comme ça que les choses fonctionnent. So we know this. Ça on le sait. But we should look at this enormous resistance in us, this panic and fear about that. That's what we ought to look at. Mais ce qu'on doit regarder à l'intérieur de nous, ce qu'on doit regarder dans les yeux à l'intérieur de nous, c'est cette énorme résistance que l'on a, cette peur, cette panique. About 20 years ago, when I was doing, 20 years ago? 80, 90, 100. Yeah, about 20 years ago, when I was doing, in my 40s, I was doing Kung Fu in England, in the UK, in London. Il y a à peu près 20 ans, donc j'avais la quarantaine, je faisais du Kung Fu en Angleterre. And I see photos of myself then. Et maintenant, je regarde des photos de moi à l'époque. My arms had shape. Mais j'étais, mes bras étaient bien musclés. You know, I trained 6 days a week, being a fanatic. Donc j'étais une fan, donc je m'entraînais 6 jours par semaine. And so now I look at photos of myself. Et maintenant je regarde des photos de moi maintenant. And I'm shocked. Je suis choquée. Embarrassed. J'ai honte. There's just this old lady there with fat with arms with no shape. You understand my point? Il y a juste cette. I'm a nun. Who cares? But still, I see. I tell you, I get shocked. Ce que je vois maintenant sur les photos, c'est cette vieille femme avec des bras tout mous. Alors je sais, je suis une nonne, mais bon, je me vois sur les photos et je suis choquée quand je me vois maintenant. It's shocking to me. Ça me trouble. I have double chins now. Maintenant, j'ai un double menton. I look at photos when I was younger, you know, and I got this chin. Avant, quand j'étais jeune, nice neck, you know, a line here, then a line there, like Sophia Loren, you know. J'avais. Quand j'étais jeune, j'avais un très beau menton. Il y avait juste une ligne horizontale et une ligne perpendiculaire. Ah, je ressemblais à Sophia Loren. And now I see photos of myself on the side, and it's kind of like a shape, you know, like that shape, you know, that shape, not that shape. Et maintenant, je me regarde sur les photos, des photos de profil en particulier, et ça n'a plus rien d'une ligne horizontale et particulière. C'est devenu tout. I'm shocked. Et donc ça me trouble. I used to have nice shaped breasts when I was young, you know. Et mes seins, ils étaient vraiment très bien faits quand j'étais jeune. Men thought they were gorgeous. Les hommes les trouvaient magnifiques.
I can't believe now how my body looks. Et maintenant, j'y crois même pas quand je fat vois comment. Old lady. Comment mon corps et je suis plus qu'une vieille femme grosse. So we, the thing is, we don't want to change. Dans les faits, c'est que on ne veut pas changer. Because attachment to the body, into beauty, into vanity, we don't want to look ugly. Et à cause de l'attachement à la beauté, à la vanité, on n'a pas envie d'être laid. We don't like this kind of change. On n'aime pas ce genre de changement. So therefore we impose a fantasy. Oh, I'm not getting old. Et donc du coup, on s'invente ce fantasme, cette illusion. On se dit non, mais je ne vieillis pas. You know, if you might say to somebody, you know, you're getting old. You're not getting old, Rabina. Attends, qui dit quoi qui? Ah oui, oui. Si Robina dit à quelqu'un d'autre que moi je vieillis, et cette personne répondra. Mais non, c'est pas vrai. You're not getting old, Robina. You're looking really good. C'est pas vrai, Robina. Tu vieillis pas. T'as vraiment l'air en forme. It's like everything we say shows we don't want to die. Et donc c'est comme si tout ce qu'on dit démontre clairement qu'on n'a pas envie de mourir. We grasp at life. On s'accroche à la vie. At me. À moi. Permanent. À la permanence. Intellectually, we know it's not true. Intellectuellement, on sait que c'est faux. The emotional stuff is so strong, it overrides the truth. This is how everything. This is why Mais we suffer. L'émotion est tellement puissante qu'elle domine, qu'elle couvre la vérité. I remember when I lived in. I just remember this particular woman I met years ago, when I was like in my 20s, and she must have been my age now, right? Et donc, je me souviens très bien de cette femme que j'ai rencontrée quand j'avais il y a longtemps. Je devais avoir 20 ans et elle avait, je pense, mon âge, l'âge que j'ai maintenant. And she, this, like so, it's so, so common, struggling, doing to do everything she could to stay looking young. You know? Et donc c'est tellement ordinaire finalement, mais elle faisait tout ce qu'elle pouvait, elle luttait pour continuer à avoir l'air jeune. And then I was just cynical and didn't have much compassion, but I remember unbelievable suffering. Et moi, à l'époque, j'étais assez cynique et j'avais pas beaucoup de compassion pour elle, mais je me souviens très clairement qu'elle traversait obsessed des souffrances extraordinaires. With trying to stay young. Ça l'obsédait. Trying to look young. Elle était complètement obsédée avec l'idée de devoir apparaître, avoir l'air jeune. Which then makes you think that you are young. Ce qui, après, peut vous mener à penser que finalement it's vous so êtes vraiment jeune. Ce qui est un mensonge évident. It's so obviously that the view is the source of her pain. Not that she was getting old; that wasn't the cause of her suffering. It was because she didn't want to get old, and the desperate wish to go against nature. Et donc c'est ce point de vue même qui la faisait souffrir. C'était pas le fait qu'elle vieillissait qui la faisait souffrir. C'était le fait qu'elle ne voulait pas souffrir, qu'elle ne voulait pas vieillir qui la faisait souffrir. Ce désir désespéré. D'aller à l'encontre de la nature. All delusions, all lies are in the nature of fear. Toutes les perturbations mentales, tous les mensonges, because they're opposite to truth. Sont de la nature du mensonge parce qu'ils s'opposent à la vérité. So being in touch with truth, donc être relié à la vérité, whatever the truth is, quelle qu'elle soit, it brings peace. Ça apaise. Opposite to fear. Ça amène l'opposé de la peur. This is the point the Buddha is making. C'est ce que le Bouddha essaye de démontrer. Yeah. So this is the first one, death. Donc ça c'est le premier point, la mort. So of course, doing this kind of thinking gets us to become in touch with truth. Donc, mener ce genre de réflexion, ça nous amène à toucher du doigt la réalité, la vérité. That everything is impermanent. Que tout est impermanent. But a teacher's agenda here to get us to think about death in particular, rather than the impermanence of cups. Mais l'intention d'Atisha, quand il veut nous faire penser à l'impermanence ici, qui nous fait penser à notre propre mort au lieu de nous faire penser à l'impermanence de la tasse, is that we come to the simple recognition of the fact that I will die. Donc, ce qu'il veut nous faire faire ici, c'est qu'on reconnaisse le simple fait, le fait évident que je vais mourir. And what a tragedy to waste the life. Et que ce serait une tragédie de gâcher sa vie. So this gets us to the second point. Donc ça nous mène au deuxième point. More scary than the first. Qui est bien plus effrayant que le premier. We have no idea when we'll die. On n'a aucune idée du moment de notre mort. This one really shows us the incredible fantasy world we live in.
Et donc, ce point-là, il nous montre vraiment dans quelle illusion grandiose, dans quel monde de bisounours on est en train de vivre. Intellectuellement, on sait que l'on va mourir. Intellectuellement, on sait qu'on ne sait pas, quand est-ce qu'on va mourir. Look at how we think every day. Look at how we feel. Mais regardez comment on pense, comment on se sent quotidiennement tous les jours. With absolute certainty, we believe I will not die today. Don't be. I mean, it's the most absurd thing we've ever heard of. On est persuadé à 100% que on ne mourra pas aujourd'hui. Enfin, si on nous dit qu'on mourra aujourd'hui, ce sera la chose la plus absurde qu'on ait jamais entendue. Lama Zopa Rinpoche says it's best to think I will die today. Lama Zopa Rinpoche dit que l'idéal c'est de penser que je vais mourir aujourd'hui. We can't even begin to attack that. There's so many things that it counteracts. So many things that it brings up inside us. We almost can't even begin to think it. It's just too absurd for words. Et ça c'est tellement énorme pour nous qu'on ne peut même pas commencer à l'utiliser parce qu'il y a tellement de choses en nous qui vont à l'encontre que ça nous semble d'une absurdité qui va au-delà des mots. Because it's the most obvious thing is we really do believe that death is way, a long way ahead. You can't see it, you know. Parce qu'on est fermement persuadé que la mort est tellement loin tout au bout qu'on n'arrive même pas à l'entrevoir. We absolutely believe that. On est complètement persuadé de ça. And on the basis of this absolute belief, we have all these plans, this life, you know. We're a living person, as Rinpoche says, with a life, a future, tomorrow, next year, and then 25 years we'll retire, another 25 years we'll be this, and old age, and pensions. We have this entire plan, this long, long life. We know death is some way we're there, but we don't want to know about that one. Et donc, en se fondant sur cette idée, on organise notre vie, on a des projets, on pense qu'on va travailler pendant encore 20, 30 ans, ensuite on sera vieux, et puis ensuite on ira à la retraite, et puis on fera ci, on fera ça, et on sait que tout au bout par là, au fond, il y a la mort, mais on veut pas en entendre parler. As Rinpoche says, we believe, you know, we think we are living, I'm a living person. Donc, ce que Rinpoche dit, c'est qu'on pense je suis une personne vivante. And the person, you know, auntie Marie in hospital who's got cancer, oh, she's a dying person. Et notre tante Marie qui est à l'hôpital et qui est âgée, qui a le cancer, elle, c'est une personne mourante. And you know, it's like two different races of people, two different countries, two different worlds we occupy. Et donc c'est comme si il y avait donc deux races de personnes ou deux mondes différents dans lesquels on vit. I mean, we don't want to know about dying people. They're revolting. On n'est pas vraiment intéressé dans les personnes mourantes. Ils nous dégoûtent. Even if they look ordinary. Même s'ils ont l'air ordinaires. But you got this view. She's dying. On a ce point de vue. On se dit, oh, vous savez, elle est mourante. We speak in hushed terms to them. On chuchote quand on leur parle. You don't talk about life to them. On leur parle pas de la vie. They don't have a life, do they? They haven't got a future. They're dying. Ils ont pas de vie d'ailleurs de toute façon. It's so huge. Ils ont pas de futur. Ils sont en train de mourir. C'est tellement. But as Lama Zopa says, excuse me, we're all dying. We all know it is true, and it sounds cute, but it is an absolute truth. We are all dying. It's just a question of time. It's also it's hysterically funny if we think about it. Lama Zopa nous le dit, on est tous des personnes mourantes. Donc ça peut paraître mignon de dire ça, mais c'est la vérité pure et simple. C'est juste une question de temps. En fait, c'est quand on y pense, c'est hysterically funny, did you say? Whatever, something like that. Yeah. C'est d'une drôlerie hystérique. But our view of permanence is so intense, you know. All we can see is like we can't even see past our own nose, you know. I'm a living person right now. I'm a living person, and it's like this relief that comes into us. But it's just a joke. Et notre saisie de la permanence est tellement ferme que on n'arrive pas à voir plus loin que le bout de son nez, et on se dit je suis une personne vivante, je suis vivante, et ça nous soulage, mais en fait c'est une blague. I remember reading about some guy, some, you know, CEO, some boss of some big company, a boss,
a manager, a big boss of some company who had MS or something. You know, there's one of those diseases that happens very slowly through the nervous system. He looked fine. He acted fine. But it's a degenerate disease that causes you to die in a couple of years. But he looked fine, right? Et donc, je me souviens, j'ai rencontré cet homme qui est donc le grand patron. Multiple sclerosis or something. It just began. What do you call it in French? Ah, d'accord. Mm. Donc, c'était le grand patron d'une grosse entreprise. Et il était atteint de sclérose en plaques, donc qui lui a attaqué petit à petit le système nerveux. Donc, c'est l'une de ces maladies qui vous amène à une mort définitive en quelques années. Mais so à ce moment-là, il avait l'air bien, il avait l'air enfin. For the first period, he kept it to himself, he didn't tell anybody. Donc au départ, il n'a prévenu personne et il continuait comme avant. And he would have been fine for several, you know, a couple of years. Et ça aurait fonctionné pendant quelques années. Or more, even. Ou peut-être plus. But so he decided he should tell his board of directors. Mais il a décidé qu'il devait en parler à son conseil d'administration. And they sacked him. Et ils l'ont viré. Who wants a dying person running a company? How revolting. Parce que qui veut une personne mourante aux commandes de son entreprise? Enfin, c'est dégoûtant. And I'm not talking about political rights here. I'm just talking about our deep human instinct that can't bear the thought of death and or even just change. It's so horrific to us. Et donc là, je suis pas en train d'évoquer des droits politiques. Je vous parle juste de notre façon de penser la plus profonde. On ne supporte même pas l'idée de la mort ou de quelqu'un qui serait mourant, même de l'impermanence en général. So this business of the time of death is uncertain. Et donc cette histoire du moment de la mort qui est incertain. It's scientifically provable. Qu'on peut prouver scientifiquement. You just have to do your market research. Il suffit de faire une étude de marché. And you go, and you know, like you go around within 100 kilometer radius of here, and you go house to house, knocking on the door, asking, you know, do your market research. Et donc, vous pouvez aller, par exemple, dans un rayon de 100 kilomètres à la ronde ici, frapper à chaque porte et faire votre étude de marché. So you will find that some people were old who died, and some people were very sick who died. You will find that. Et donc, évidemment, vous allez rencontrer des gens qui vont vous parler de personnes qui ont été très malades et qui sont mortes, des personnes qui étaient vieilles et qui sont mortes. But you will also find lots of people who were not sick and not old who died. Mais vous allez aussi entendre parler à de nombreuses reprises de personnes qui n'étaient ni malades ni âgées et qui sont mortes. Babies who died. Babies. Même les enfants, même les bébés meurent. Teenagers. Les adolescents. Just they woke up one morning dead. Ils se lèvent le matin un jour et ils sont morts. Medically, no cause. Sans aucune cause médicale. Then you have people who die of car accidents. Après, il y a les gens qui meurent dans les accidents de voiture. But we don't like to think of them because we think they're sort of they don't count. Mais on n'aime pas penser à eux. On pense que ça c'est accidentel, ça compte pas. But those examples prove that the time of death is uncertain. Mais ces exemples démontrent que le moment de la mort est incertain. But we just don't want to believe it. Mais on ne veut pas y croire. We believe if we eat well, keep fit, do exercise, we will live long. On pense que si on mange bien, qu'on fait de l'exercice, qu'on mène une vie saine, on vivra longtemps. There's some logic to that, but it's not the whole thing. C'est pas complètement absurde, c'est assez logique et raisonnable, mais ça ne suffit pas. For Buddha, the logical reason why the time of death is uncertain is because the main cause of death, like the main cause of everything, is karma. Et pour le Bouddha, la raison principale pour laquelle le moment de la mort est incertain, c'est parce que la cause principale de la vie est incertaine. Et en fait, c'est le karma. The main cause, hear the words, it's simple. The main cause of a long life is you've got lots of morality, karma in your petrol tank. La cause principale pour avoir d'une longue vie, c'est au niveau du karma, c'est d'avoir accumulé beaucoup d'actions liées à la moralité qui remplit votre réservoir d'essence. So unless you're clairvoyant, you don't know how much you have in your petrol tank. There's no meter, you know. We don't come with a meter. À moins d'être clairvoyant, vous ne pouvez pas savoir combien il vous reste de moralité dans votre réservoir d'essence, parce qu'il n'y a pas de compteur. A meter. On vient pas fourni avec une jauge. Yeah. So you know, little fat babies kicking and squealing and looking totally healthy. One morning, mother comes in, he's dead.
Et donc, prenez l'exemple d'un petit bébé bien grassouillé qui donne des coups de pied par-ci par-là. Un jour, sa maman se réveille et va le voir et il est mort. You know, Buddhist view is because there was only a certain amount of morality in the petrol tank. Et donc, le point de vue bouddhiste, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de moralité dans son réservoir. Petrol ran out. Et puis, à un moment, il n'y avait plus d'essence. Life stopped. Et donc la vie s'arrête. This is Buddha's view, okay? You don't have to believe it. I'm just telling you. Ça c'est le point de vue du Bouddha. Moi, vous n'êtes pas obligé de me croire. Moi, je vous. Having health is a, is a secondary cause. Être en bonne santé, c'est une cause secondaire. Yeah. Youth is a secondary cause. La jeunesse est une main cause one is the amount of karma. Secondaire. La cause principale, c'est la quantité de karma. We, you know, you read about people who are on the basketball court, 17, as fit as anything, drop dead, heart stops. No medical cause. Vous entendez parler, on entend des histoires comme l'histoire d'une personne de 17 ans en train de jouer au basket en très bonne santé et tout d'un coup il tombe par terre, il tombe raide mort, sans so aucune people, cause médicale. You know, who are 97, who smoked 60 cigarettes a day and drunk alcohol. Et après vous entendez des histoires de personnes qui ont 97 ans, qui fument 60 cigarettes par jour, qui boivent de l'alcool tout le temps et qui sont en bonne santé. And this is a simple point. If health and youth were the main causes of long life, then it's logical healthy people would always live long. But we can prove countless times from our market research that it isn't true. We don't like to think this. We just think, well, there's something. They're accidental. They're sort of exceptions. Et donc, si la jeunesse et la santé étaient les causes absolues d'une longue vie, alors toutes les personnes en bonne santé devraient vivre longtemps, mais on peut prouver le contraire maintes et maintes fois. Faites vous-même votre étude de marché et vous allez rencontrer des exemples contradictoires à ça. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas penser à ça. On n'aime pas penser à ça. On préfère penser qu'ils ne comptent pas, que ce sont des exceptions. So even when we're called dying, we think that's permanent. Same thing. Whatever the status quo is, we grasp at that as permanent. Et donc, même si on qualifie telle ou telle personne de mourante, on pense que ça, c'est permanent aussi. Quel que soit l'état dont on va le qualifier, qu'on va qualifier cette personne, on va saisir à la permanence de cet état. A friend of mine, a Buddhist couple, they divorced. Par exemple, certains de mes amis, friends, donc, des amis qui étaient un couple de pratiquants bouddhistes qui sont divorcé ensuite. He was in his early 40s and he was diagnosed with this virulent cancer. They said he'd be dead in 2 months. Et donc l'homme qui, quand il avait 40 ans environ, on l'a diagnostiqué avec un cancer très très foudroyant et on lui a dit qu'il avait plus que quelques mois à vivre. So the wife went back to help him die, went back to live with him. Et donc la femme est revenue avec lui pour l'aider à mourir. Helping his practice and everything. Et donc elle est revenue vivre avec lui, elle l'a aidé dans sa pratique. 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, he didn't die. Et donc cela pendant 1 mois, 2 mois, jusqu'à 4 mois et puis il mourait toujours pas. They started fighting again. Et donc ils se sont mis à disputer à nouveau. So she left him again. Elle l'a de nouveau quitté. And now he's called a living person again. He didn't die. Et maintenant on l'appelle une personne vivante à nouveau puisqu'il n'est pas mort. A friend of mine went to Los Angeles to help his father die of cancer. Une amie à moi est allée voir son père à Los Angeles pour l'aider à mourir. And then he got better and they all have a party and cheering. Et donc ensuite, il s'est bien remis, et donc ils ont fait une fête. But next day he died of a heart attack. Et le lendemain, il est mort d'une crise cardiaque. So you can't win, you know. Vous ne pouvez pas gagner de toute façon, vous savez. So, the time of death is uncertain is really the one that's extremely powerful for our minds. La pensée du moment de la mort, c'est quelque chose de très qui affecte notre esprit d'une façon très puissante. If we realize this one. Si on réalise cela, if we saw this truth, si on voit cette vérité, we wouldn't waste a single second of our life. On ne gâcherait pas une seule seconde de notre vie. We wouldn't even want to sleep. On ne voudrait même plus dormir. This sounds a bit funny, but it's true. Donc ça doit vous sembler un peu bizarre, has, mais c'est vrai. Okay, a preliminary contemplation that a teacher gets us to do, that he kind of cobbled together from Buddha's teachings before we even enter grade one, is a meditation that he calls thinking about this perfect human rebirth. Et donc,
une des contemplations, méditations préliminaires à la méditation sur l'impermanence que Atisha présente. Et qui ensuite la joint avec donc ces méditations qu'on a évoquées, c'est de penser à la précieuse renaissance humaine. And there he gets us to remember, to just to realize the incredible advantages we have. Et donc il nous amène à la réalisation de la valeur de notre naissance, de notre vie humaine. And the disadvantages we've avoided having. Et des avantages que cela peut nous procurer et des inconvénients que cela nous fait éviter. This type of thinking, cette façon this type de, of meditation, cette réflexion, cette méditation. Remembering the Tibetan word is means to familiarize. Rappelez-vous que the word for meditation. En tibétain, donc le mot pour méditer, c'est gom, qui veut dire se familiariser. To familiarize our mind with these thoughts. Donc habituer notre esprit à ces pensées. You know, you get to realize if you do, it's like doing market research. That's all. Donc c'est exactement comme faire une étude you check de marché. The world. Just this world. Analyser le monde, ce monde-ci. And you do some analysis. Analysez-le. And you realize that you're reasonably healthy. Et donc vous allez arriver à la conclusion que vous êtes plutôt en bonne santé, plutôt sain. Reasonably wealthy enough that you have friends and support and money and credit cards and a house and all the rest, you know. Et plutôt chanceux puisque vous avez des amis, une maison, une carte de crédit et tout ce qui va avec. Live in a reasonably peaceful environment. Vous êtes dans un environnement plutôt paisible. This is like a miracle if you compare with most people on this earth. This is like a miracle if you compare with most people on this earth. C'est un miracle si vous vous comparez à la plupart des gens sur cette planète. And then to top it all off, the bonus, the icing on the top, is that we actually have a wish to practice a spiritual path, a wish to look past our own nose, a wish to do more than sleep, eat and go to the toilet. Et donc en plus de ça, le bonus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a un désir d'aider les autres, un désir de regarder plus loin que le bout de son nez, un désir d'être altruiste, un désir de faire plus de sa vie que de dormir, manger et aller aux toilettes. And because of all these fortunate conditions we have, we're able to be in this room today, exercising that potential, investigating methods. Et donc, à cause de toutes ces conditions merveilleuses que l'on a réunies aujourd'hui, on a la chance d'être réunis dans cette salle ici et pour pouvoir analyser et mener notre enquête pour aller plus loin. It's like we've won the lottery if we compare with the rest of the world. Si on se compare au reste du monde, c'est vraiment comme si on avait gagné au loto. But who thinks this? Mais ça nous passe pas par la tête. We wake up in the morning, miserable. On se lève le matin, on est malheureux. Remembering our misery, remembering our negativity, thinking we're hopeless, not being satisfied with anything we've achieved or done or got. On se sent déprimé, on pense à toute notre insatisfaction, tout ce qu'on a mal fait, tout ce qui va pas chez nous. So we think we didn't ask to get born. It's not my fault. I didn't do it. What's it got to do with me? Et donc on se rappelle que de toute façon on n'a même pas demandé à naître. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi toute cette histoire? So there's no feeling of waking up and going, unbelievable, how fortunate I am. Look how hard I work for all this. Look at the conditions I've got. This is like a miracle. This is amazing. What a tragedy to waste it. Donc évidemment on se lève pas le matin. On n'a absolument pas la moindre pensée de se dire, quand on se lève le matin, « Ah, c'est merveilleux, quelle chance j'ai d'être en vie encore aujourd'hui, c'est un miracle, comme j'ai travaillé dur pour obtenir tout ça, quels efforts j'ai fournis, quelle chance j'ai, c'est vraiment génial et ce serait vraiment une tragédie de ne pas utiliser chaque instant. » So thinking more and more like this, si vous pensez de plus en plus comme ça, and this sense of appreciation won't come unless you think about it. Parce que cette sensation, cette appréciation de la vie ne surviendra pas si vous n'y réfléchissez pas. So then we think about impermanence and death. Et puis ensuite, on pense à l'impermanence et la mort. In particular, the second point that the time of death is uncertain. Donc en particulier au deuxième point du fait que le moment de la mort est incertain. When we've realized that the time of death is uncertain. Une fois qu'on a réalisé que le moment de la mort est incertain, meaning when we see the truth of it, not just know it intellectually, experience the truth of it.
ce qui signifie pas seulement le comprendre intellectuellement, mais voir cette vérité. And therefore it's logical to conclude that I could die today. Et donc, qui nous mène à la conclusion logique que je pourrais très bien mourir aujourd'hui. Then you wouldn't want to waste a single minute. Et donc, à ce moment-là, vous ne voudriez plus perdre un seul instant. This is all grade one junior school. Et donc, rappelez-vous que ça, c'est le niveau 1 de l'école maternelle. Forget about renunciation. Oubliez le renoncement. Forget about emptiness. Oubliez la vacuité. Forget about bodhicitta. Oubliez la bodhicitta. Way to go, baby. Vous avez un bon chemin à faire là. This is first. Ça, vous en êtes que au premier point. So okay. Now, so death, the time of death is uncertain, meaning I could die today. This is like a joke. Et donc, reprenons, le moment de la mort est donc incertain. Ça nous semble comme une blague, une plaisanterie. But if we ask ourselves the question now, let's ask ourselves the question: Do I know definitely when I will die? And I'm not saying, well, in the next 100 years I'll die. That's too wide an opportunity, too big a window. Mm-hmm. Do I know definitely when I will die? Like my dentist appointment is next week at 9 o'clock. Have I got a death appointment lined up? You know? Do I know when I will die? Et donc posons-nous à nous-mêmes la question: est-ce que je sais quand est-ce que je vais mourir? Et ne cherchons pas d'échappatoire en répondant quelque chose de vague comme dans les 100 années à venir. Posons-nous la question: est-ce que je sais quand est-ce que je vais mourir précisément? Comme de même que je sais que la semaine prochaine à 9h du matin j'ai rendez-vous chez le dentiste. Est-ce que j'ai un rendez-vous avec la mort prévu là dans mon agenda? The simple answer has to be no. Et la plus simple des réponses doit forcément être non. Therefore it is logical to deduce that I could die today. Donc il est logique d'en déduire que je pourrais mourir aujourd'hui. But look at how we respond to that answer. Mais regardez notre réponse à cette Even as I say it to myself. Notre réaction à cette réponse. I absolutely do not believe it. Même quand j'y pense moi-même, je me dis je n'y crois pas une seconde. It doesn't even arise in my mind as a possibility. Ça me passe pas du tout par la tête. Je pense que c'est absolument pas une possibilité. 100% impossible. C'est 100% impossible. So why would we think this? Pourquoi on pense comme ça? There's no logic to it. C'est pas logique. Because we so frantically don't want it. That's all. C'est parce qu'on le rejette désespérément. Therefore, it is impossible for us to even consider the possibility. Et donc, ça nous est absolument impossible de considérer cela comme une possibilité, comme une probabilité. So, what an extraordinary thought to have, as Rinpoche says, best to think, I will die today. Et donc, quelle pensée extraordinaire à cultiver, comme le dit donc Rinpoche, de penser, je vais mourir aujourd'hui. So, of course, the big problem with this is because our assumption of death is that it's a terrible thing. The problem with thinking like this is because we think death is a terrible thing. Et donc le problème c'est que comme on pense que la mort est une chose terrible, then we think the only conclusion to come to if I will die today is to be completely depressed. Et donc la conclusion c'est que on se dit que si je pense que je vais mourir aujourd'hui, je vais être complètement déprimé. Au contraire. Mais c'est ouais. Just like if you've got let's say you've got the dentist says, "Yeah, I'll fit you in when we've got a spare time. I've got your name down, but I could ring you any day this week. Be ready." Imaginez que le dentiste vous dit, je peux pas vous donner un rendez-vous précis pour l'instant, mais je vous calerai entre deux rendez-vous dès que j'ai le moment dans la semaine qui vient, et soyez prêt à tout moment. Je peux vous appeler, je vous donnerai un coup de fil pour que vous veniez. Maybe a better example is like you got your flight. You're on standby to get a flight to Australia or something, you know. Ou un autre exemple peut-être meilleur, ce serait vous êtes en attente d'un vol pour aller en Australie. It could be this week. Et ça pourrait être cette semaine. So they ring you now today and say your flight's at 5 tonight. Et donc admettons qu'on vous appelle aujourd'hui en vous disant votre vol est à 5h ce soir. So when there's a deadline like that, you know how you become. Et donc quand il y a une échéance comme ça, vous savez très bien ce que ça vous Energized. Fait. Ça vous énergise. Prioritize. Ça vous met l'ordre dans vos priorités. You're lying back in the sun reading a book, you know. Sorry. You're lying back in the sun reading a book relaxing, wasting your life if you like. Vous êtes en train de prendre un bain de soleil en lisant un livre, vous gâchez votre vie. And then you get the phone call, your flight is at 5 o'clock. Et donc ensuite on vous donne un coup de fil et on vous dit votre vol est à 5 heures. You'll leap up.
Qu'est-ce que vous faites? Organize your bags. You'll be focused. You'll be disciplined. You'll do the things that will be necessary to prepare you for your flight at 5 o'clock. Donc vous étiez allongé, tout d'un coup vous sautez dans tous les sens, vous vous organisez, vous faites votre valise, vous vous préparez pour que tout soit prêt à 5 heures quand vous avez votre vol. All the things that are less important, you'll leave them alone. Et donc toutes les choses qui ne comptent pas, vous les laisserez de côté. You're really excited to get to Australia. Vous serez vraiment contente d'aller en Australie. Who cares suddenly this book that was so exciting to you 5 minutes ago couldn't care less now. Et ce livre qui avait l'air tellement passionnant il y a 5 minutes, vous vous en foutez complètement maintenant. The fight with your next door neighbor suddenly is not important. Et les disputes avec votre voisin d'à côté n'ont plus aucune importance à vos yeux. You're désormais. Focused on getting your flight to Australia at 5 o'clock. Vous êtes complètement concentré sur le fait d'avoir votre vol pour l'Australie à 5 heures. Well, preparing for death is like that. Ben, se préparer pour la mort, c'est la même chose. You're relaxing, lying back, thinking that life is permanent. Quand vous êtes décontracté, vous êtes allongé, vous pensez que la vie est permanente. You get the call that death's coming at 5 o'clock. Et tout d'un coup, on vous appelle en vous disant la mort arrive à 5 heures. How lucky! You get warning. Quelle chance, on vous prévient. The thing is, we won't even get the warning. Le problème, le problème, c'est qu'on vous préviendra même pas. But if you did get the warning, oh, death's coming at 5. Mais admettons qu'on nous prévienne. You'll en leap vous disant. Up. And you'll start focusing on getting ready for death, won't you? Que la mort arrive à 5 heures. Alors vous sauteriez en l'air et vous prépareriez pour la mort. I mean, get the idea, you know. It sounds so silly to us. Et vous me suivez, non? Vous voyez où je veux en venir. Ça a l'air un peu idiot. Preparing for death in Buddhist terms is on the assumption that your mind will leave the body and take another birth. Et donc évidemment, en ce qui concerne du point de vue bouddhiste, se préparer pour la mort, c'est basé sur le présupposé que quand on meurt, on va reprendre une autre renaissance. So you need to be prepared for that. Et donc on doit se préparer à ça. And this gets us to the third step. What is important at the time of death? At 5 o'clock, what will count? At 5 o'clock, what do you need to have in place? Et donc ça nous amène au troisième point, qui est qu'est-ce qui compte au moment de la mort? Qu'est-ce qu'on doit avoir de prêt au moment de la mort? You know, to get your flight to Australia at 5 o'clock, you need your passport, you need your bag, you need your toothbrush, you get these things prepared and ready, so when you get your flight, you can move smoothly to the next place, right? Et donc, par exemple, bon, pour continuer avec l'analogie, qu'est-ce qu'il vous faut pour vous préparer pour votre vol pour l'Australie de 5 heures du soir? Il faut votre passeport, votre brosse à dents, votre sac, toutes ces choses dont vous allez avoir besoin pour passer à l'étape prochaine. How do you prepare for next life? Et donc, comment on se prépare pour la vie prochaine? It's as practical as these people. Donc, c'est vraiment... il faut avoir l'esprit pratique, hein, les gens. It's not a mystical thing. C'est pas une histoire mystique. Not for the Buddha. En tout cas, pas pour le Bouddha. So what's necessary at the time of death? De quoi a-t-on besoin au moment de la mort? Okay, so given let's look at a few givens here. Donc, prenons quelques assumptions, givens. Ouais, quelques présupposés ici. Okay, given that your mind is beginningless. Donc, quelques acquis, pardon. Alors, le premier acquis, c'est que l'esprit ne connaît pas de commencement. Given that every microsecond of everyone that beginningless mind you've been creating karmas, having intentions, doing actions. Le second, c'est que à chaque milliseconde, votre esprit a accumulé du karma. Given that every one of those seeds planted in the mind will ripen in the future as suffering or happiness. Et que ce karma a planté des graines dans votre esprit. Donc, et le troisième donc acquis, c'est que ces graines vont mûrir et se transformer en différentes expériences given dans that you don't votre want esprit. Suffering and do want happiness. Donc c'est des expériences de souffrance et de bonheur. Et donc un autre acquis, c'est que vous voulez faire l'expérience de bonheur et vous ne voulez pas faire l'expérience des souffrances. Then it follows logically at 5 o'clock when you leave death and go to the next life, the only thing that's important is the virtuous imprints on the mind. This is logic given this view. Et donc la conclusion logique à laquelle on aboutit, c'est que à 5 heures, quand il va falloir mourir et passer à la prochaine vie, la seule chose qui compte, c'est le potentiel vertueux, les actions vertueuses que l'on va pouvoir amener avec soi. C'est la conclusion logique et pratique de quand on est dans le contexte de cette vue. So, if this
You know, so then, if this is true, if this view is the view we want to use in our life. Donc si cette si ce point de vue est est véridique, si ce point de vue qu'on essaye d'utiliser donc dans sa vie, dans notre vie. But we have to change our priorities, don't we? Alors il faut qu'on mette de l'ordre dans nos priorités, non? Right now, what we think is most important. Donc pour l'instant, ce qu'on considère comme plus important. Is our body. C'est notre corps, our husband, notre mari, children, nos enfants, house, la maison, possessions, nos possessions, insurance, l'assurance, pension plan, le plan de retraite, money in the bank, l'argent credit cards, à la banque, nice clothing, carte de crédit, les beaux habits, notre réputation, job, notre boulot, all of this. Tout ça. What is occupying our mind every day? Qu'est-ce qui nous préoccupe le plus toute la journée? Don't be moralistic about it. Just see it as a practical issue. Ce n'est que ça. Et on n'essaye pas d'être moralisateur ici, on essaye il faut avoir l'esprit pratique. The practical issue at 5 o'clock if you're getting a flight to Australia is you've got to, you know, stop, put your food aside for a moment and go get your flight. Put your food aside for the moment, go get your passport. You've got to be practical and have the things that are ready for you to do that transition from France to Australia. It's a practical issue, not a moralistic one. La question pratique à régler ici, c'est que quand on a un vol à 5 heures de l'après-midi pour passer de la France à l'Australie, il faut s'y préparer. Donc mettez votre repas de côté et allez préparer votre sac. Ou mettez votre repas de côté et va chercher ton passeport parce qu'à 5 heures, il faut que tu sois prêt. Same at 5 o'clock if death is coming. C'est la même chose si à 5 heures, la mort vient. I mean, death is just the first part of it. Et en plus, la mort, c'est vraiment que la première partie. Next life is the real point. Okay, la vraie question, le vrai problème, c'est la vie qui the vient end of après. This life is the beginning of the next one. Étant donné que cette vie-ci est le début de la prochaine. So what do I need to be prepared? Donc, qu'est-ce que je dois préparer? Lots of virtuous imprints in my mind. Le plus d'empreintes vertueuses dans mon esprit. That's it. C'est tout. Less things than passports and air tickets and things. Ça fait quand même moins de choses que des passeports, des billets d'avion. You don't need to be rich to practice morality. On n'a pas besoin d'être riche pour pratiquer la moralité. Yeah. Just have to practice. So then, when would you start practicing this morality if you could die today? Forget donc, whether you get the, you know, notice or not. Unless quand you est-ce could die today. Quand est-ce que vous vous mettriez? If you could, they could ring you up and say your flight's going at 5 today, Rabina. What do you need to be ready with? Et donc, qu'est-ce que vous prépareriez si vous savez que vous allez mourir cet après-midi? Si vous pourriez, si vous pouvez avoir cet appel qui vous préviendrait de la mort à chaque instant. Whether the flight is going to, when they're going to ring you up in 5 years, or whether you get ring you up at 5 o'clock today, what do you have to do to be ready? Que l'on vous appelle à 5 heures de l'après-midi aujourd'hui ou dans 5 ans, qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce que vous devriez préparer? À partir d'aujourd'hui. Practice morality. De pratiquer la moralité. Starting now. Et commencer maintenant. So whether you die at 5 or die in 50 years, same answer. Que vous mouriez ce soir ou que vous mouriez dans 5 ans, la réponse est la même. It's kind of practical, it's logical. C'est un conseil pratique, non logique. But you know, it's according to the view that Buddha has, not according to the samsaric materialist view that we have now. Évidemment, cela ça vient du point de vue que le Bouddha a sur le monde, pas sur notre, ça ne survient pas de notre point de vue matérialiste. So our first feeling if we think we're going to die at 5 o'clock today is to be just totally shocked and depressed. Donc notre première sensation quand on nous dit peut-être que vous allez mourir à 5 heures cet après-midi, c'est d'être complètement choqué et de se mettre à déprimer. What's the point of life, we'll think? On se dira, ça sert à quoi de vivre? And why we think this is because we assume permanence. Et on pense cela parce qu'on est convaincu de la permanence. We live our life as if it will never end. On vit notre vie comme si elle ne se terminera jamais. Because when we get sick and told we're going to die, one of the first things is just this incredible panic and fear and depression. Parce que quand on tombe malade et qu'on nous dit qu'on va mourir, la première réaction c'est panique, peur et dépression. We think, what's the point of life? On se dit, ça sert à quoi de vivre? If I'm going to die soon, what's the point of living? On se dit, si je vais mourir bientôt, à quoi ça sert de vivre? What's the point of having a relationship? À quoi ça sert d'être dans une relation? À quoi ça sert d'être heureux? Because we assume it. The only reason we do this now is because we assume death is way into the future. Permanence is real for us. Parce qu'on se dit que la seule raison pour laquelle on fait toutes ces choses, c'est qu'on vivra pour toujours et que la mort, c'est quelque chose de tellement lointain qu'on ne le voit même pas. It's a bit like when you go on a vacation.
C'est comme quand on va en vacances. I remember always this example for myself. Moi, je me rappelle toujours cet exemple à moi-même. Every now and again, I do what I call an editing retreat. I take some time. I'm going to do 2 weeks here anyway after this, editing books, Lama's teachings, teachings. Donc, de temps en temps, ce que je fais, c'est des retraites d'édition. Donc, j'édite les livres de Lama Yeshe. One winter, I remember someone invited me to Puerto Rico. Puerto Rico. Et donc, un hiver, quelqu'un m'a invité à Puerto Rico. They say they're some of the one of the happiest people on earth. Et donc, il paraît que là-bas vivent les gens les plus heureux really du were. Monde. They were so, such lovely people, smiling, easygoing. Et c'était vraiment le cas. C'était des gens anyway, this little adorables, tiny island, 4 million people. Qui souriaient tout le temps, qui avaient l'air heureux. And someone gave me a house just on the southern part, in a little resort, you know, pink-colored buildings, and about 1 minute away there was the beach. Et donc j'étais sur cette petite île peuplée par 4 milliards d'habitants, 4 millions d'habitants. How many? What? What? How many people? Oh, 4 million. 4 millions d'habitants sur cette petite île, et donc j'étais logé dans le sud de l'île. Anyway, I had 9 weeks there. Et j'avais une super maison à 5 minutes de la plage, et donc If you think about it, when we think about a vacation, we understand impermanence perfectly. We have the right approach. Donc quand on parle de vacances, on sait très bien que on saisit bien la notion d'impermanence là. We realize because it is impermanent, because I need to go in 9 weeks, we will make the most of it. Et donc, puisque j'avais que 9 semaines à passer là, je savais très bien que comme j'avais qu'un temps précis et déterminé à passer là, il fallait que j'en tire le meilleur parti. We know this. On le sait ça. So our life should be this way. Notre vie devrait être menée de la même façon. So I remember when I had that vacation, every day counted. Donc je me souviens quand j'ai passé ces vacances là, chaque jour comptait. I'm just talking about samsaric example now as an analogy. Je prends juste un exemple très samsarique ici. I love being at the beach. J'adore la plage. I wore my pink sarong. J'avais un pareo rose. This kind of stuff that they make bathing tunics out of, you know, I bought a couple of meters. The stuff they make bathing costumes out of. Yes, you bought just the cloth. I don't get it. Doesn't matter. I'm just giving you the details. Never mind. Donc j'ai acheté plusieurs mètres de tissu. It doesn't matter. It's not relevant. So anyway, I would do my editing in my pink sarong, and I would sleep in my pink sarong. I would swim in my pink sarong. Et donc, I would go to the restaurants. It was this resort, you know, with restaurants and things. Donc j'étais dans cette resort. Resort, c'est un complexe de vacances. Et donc j'allais nager avec mon pareo rose, je mangeais dans mon pareo, j'allais au restaurant avec mon pareo rose, je faisais de l'édition. Enfin, je travaillais sur les bouquins avec mon pareo rose. I'd be an invisible nun, but people all thought knew I was a nun. They'd do like this, you know. Et je crois que j'étais invisible, que les gens sauraient pas que j'étais une nonne, mais les gens ils se rendaient compte et puis. Anyway, I made the most of my 9 weeks. Et donc j'ai vraiment profité de mes 9 semaines. Because I realized it was impermanent. Parce que je réalisais que c'était impermanent. Imagine if I forgot it was impermanent. Imaginez que j'oublie que c'était impermanent. You'd wake up one morning, oh, I'm too tired, I won't bother swimming today. I'll swim tomorrow. Et donc imaginez, je me réveille un matin et je me dis, oh, je suis trop fatigué aujourd'hui, j'irai pas then nager, j'irai nager demain. Then I start getting all attached to the nice place. This is my house, my cushions, my gas stove, you know. Et all donc, attached to it, mine, permanent. Je me mettrai à m'attacher à toutes les choses qui m'entourent. Ça, c'est ma maison. Ça, c'est ma gazinière. Gazinière. What's a magazinière? The stove. Oh, I remember the stove was a nice stove. Yeah. Et c'était vraiment une très belle gazinière. Then I'd get angry with my neighbors because they played rock and roll too loudly. Then I wouldn't want to sue them. Et donc je me mettrais en colère avec mes voisins parce qu'ils mettaient rock tout trop fort. Et donc je voudrais leur faire un procès. Et donc c'est ce qui se passe quand on croit que la vie est permanente. We forget it will end at any moment. On oublie que ça peut se terminer à n'importe quand. Now the thing is with life, I had 9 weeks. I knew the 9 weeks. I knew I had a date to move out. Et donc dans ce cas-là, moi je savais que j'avais que 9 semaines. Et donc j'avais une échéance, une date précise. So I watched the calendar, you know. Et donc je regardais le calendrier. Every day would go by, and suddenly it was 8 weeks left. Tous les jours, je regardais. Oh my God, you know, I mustn't waste this opportunity. Tout d'un coup, il restait plus que 8 semaines. Et donc, je me disais, oh mon Dieu, il faut vraiment pas que je perde mon temps. Donc, j'allais nager, j'allais au resto, j'allais me promener, je me levais tôt, je me mettais au soleil. Get brown.
Et j'ai bronzé. In my pink sarong. Toujours dans mon pareo rose. I didn't want to waste the opportunity. Je voulais pas perdre cette opportunité. Now, like I said, imagine if I forgot it was permanent. Imaginez que j'oublie que c'était impermanent. Become possessive, attached, je deviendrai angry, possessive, attaché, oh, en colère. To tomorrow. And suddenly Rita comes knocking on the door. Et je deviendrai paresseuse et j'oublierai d'aller nager, d'en profiter. Et of course, I'd be screaming and kicking as she dragged me out the door. Tout d'un coup, donc une personne de l'équipe viendrait taper à ma porte et me dirait bah, « ça y est, maintenant, il vous faut partir, Robina ». Et je serais désespérée, il faudrait qu'elle me traîne par terre pour me... The gas stove with me. It's mine, it's mine. Me traîner hors de ma chambre. Moi, je m'agripperais à ma gazinière en criant « elle est à moi, elle est à moi ». She won't let me have it. Et elle me laissera pas partir avec la gazinière. Moi, je pèterai un câble. Full of panic. Je serais complètement paniquée. But I sued the next door neighbor. I haven't got the money yet. J'ai dit, j'ai pas fini mon procès avec les voisins. So I'm sitting on the doorstep crying. Et donc je serai sur le pas de la porte en train de my pleurer. My gas stove inside. Et ma gazinière reste à l'intérieur. Can't take it with me. Que je peux pas amener avec moi. Not only that. Pas seulement ça. I've made no preparations of where to go. Et en plus, j'aurais rien préparé pour aller nulle part ailleurs après. This is how we live our life. Mais c'est comme ça qu'on vit. Thinking it's permanent. Notre vie, en pensant qu'elle est permanente. Very unintelligent. C'est très. On manque d'intelligence. But even more scary. Ce qui est le plus effrayant. We don't get a date for death. On ne sait pas quel est le jour de notre mort. So it's like as if when I first went there and I said, "Can I have a flat in your nice resort?" Donc c'est comme si j'étais allée dans ce complexe et je. And Rita said, "Yep." J'aurais demandé une chambre. You can stay as long as you like. Et on m'aurait dit, tu peux rester aussi longtemps que tu veux. As long as I can come any time, day or night, and ask you to leave. Tant que je peux no venir warning. À n'importe quelle heure de jour et de la nuit, taper à ta porte et te dire que à ce moment-là, il faudra partir et je te préviendrai pas. No warning. Je te préviendrai pas. Anything from this moment, I can come and ask you to go. À partir you just move in, and I'll have to ask you to go. It's possible, Robina. Et you have to risk this. Et donc, tu peux donc emménager, mais à partir de ce moment-là, à n'importe quel moment, je pourrais venir frapper à ta porte et te dire que tu devras partir. Peut-être immédiatement. C'est un risque que tu dois prendre. Can you imagine? Imaginez-vous ça. I've been there for 24 hours. Imaginez que Rita hasn't asked me to leave yet. J'y sois pendant 24 heures et que Rita ne m'ait pas encore demandé de partir. I won't want to leave. I won't want to sleep. Je voudrais même pas dormir. I might miss the opportunity to eat the nice restaurants and have the food and enjoy the gas stove and go for a swim. Parce que je perdrais peut-être l'opportunité de d'utiliser ma belle gazinière, d'aller nager, d'aller au resto. I wouldn't even bother sleeping. Je pense que je prendrais même pas la peine de dormir et il me reste. And she still hasn't come. I wake up. I can't believe I've still got a life. I've still got this amazing apartment. My God, she hasn't asked me to go yet. Don't waste time, Robina. Et donc, admettons que, à nouveau, 24 heures encore s'écoulent et que Rita n'a pas encore frappé à ma porte. Et je me dis, ouais, c'est génial. J'ai encore cet appartement magnifique pour moi. Et donc, je me dirais, ne perds pas de temps, Robina. This is the best way to live our life. Et donc, ça, c'est la meilleure manière de conduire notre vie. Pratiquer la moralité. Be kind to your husband. Soyez gentil avec votre mari. Forgive him for his farts. Pardonnez-lui ses pets. Love your children. Pardon? Love your children. Aimez vos enfants. Be patient with your next door neighbor. Soyez patient avec votre voisin. Relax about the money in the bank. Détendez-vous quant à l'argent dans la banque. It's okay, you can't bring it with you. De toute façon, vous pouvez pas l'amener avec vous. So then whenever death comes, you will be ready. Et donc, quel que soit le moment de la mort, vous serez prêt. So simple. C'est tellement simple. We just have to think like this, that's all. Il nous suffit de penser comme ça, c'est tout. Time for tea. I forgot completely. It's 11:30. C'est l'heure du thé. Go and think about impermanence and have a cup of tea. Or pensez à l'impermanence. Enjoy your triple espresso. Et profitez de votre thé ou de votre triple espresso.